Salut les amis, c'est Oleg de Normandie. Je suis très content de vous retrouver après ces petites vacances. Ça m'a fait du bien de me reposer, le soleil m'a régénéré. J'espère que vous aussi, vous avez eu l'occasion de passer un petit peu de bon temps. On va aujourd'hui commencer par un débunkage de Mathieu Lavaux avec la géogré... géographie sacrée de la France. Parce que c'est une vidéo qui marche très bien, euh, apparemment. Et je l'ai regardé, mais j'ai tiqué à plusieurs reprises. Euh, je vais avoir l'occasion de vous montrer avec Google Earth comment Mathieu Lavaux a fait plus d'une erreur et parfois même des erreurs assez grossières, notamment sur euh, le cœur de sa démonstration. Donc j'ai trouvé ça très inquiétant. Euh, une vidéo qui marche aussi bien avec un chercheur qui paraît très sérieux, mais des erreurs extrêmement grossières. Au point où je me demande si c'est pas carrément de la mauvaise foi que de véhiculer ce genre d'information. Vous savez que concernant le sujet des monuments anciens, des pyramides, ces monuments nous délivrent un véritable message qui démontre que l'histoire est falsifiée, qui démontre que les puissances actuellement au pouvoir ont menti au peuple pour mieux le dominer. Et donc, il est évident qu'ils font ce qu'ils peuvent pour, euh, pour conserver cette désinformation à leur avantage. Donc ils utilisent la stratégie de la botte de foin, c'est-à-dire qu'ils diffusent comme ça énormément de désinformation, énormément. La, la désinformation pullule, les pseudo-scientifiques pullulent, de manière à cacher la vérité, de manière à ce que la vérité soit comme une petite aiguille dans une immense botte de foin pleine de purins, euh, ce que j'appelle la désinformation. Et là, c'est vrai que ce documentaire, j'ai vraiment tiqué, parce que je vais vous montrer tout de suite. Les étoiles sont placées selon une géométrie particulière, donc ça veut dire qu'il y a une intention derrière. Et en plus, donc, en lien avec les pyramides, si c'est vrai, c'est énorme. Donc j'ai voulu vérifier par moi-même. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dedans et j'ai passé énormément de temps à refaire tous les calculs et, et à revoir avec lui comment son schéma de, de base pouvait s'affiner. Et on a, on a retrouvé comme ça d'autres. Il commence donc par nous parler du lien qu'il pourrait y avoir entre les pyramides et la constellation d'Orion. Alors, cette théorie du baudrier d'Orion et des trois grandes pyramides de Gizeh. C'est celle qui veut que les trois pyramides soient disposées comme les trois euh, étoiles principales de la constellation d'Orion. Alors, moi, j'ai du mal avec euh, ces histoires de corrélation avec euh, la voûte céleste et les étoiles, tout simplement parce qu'elles sont généralement approximatives, voire très approximatives, et parce qu'en plus, les étoiles sont en mouvement perpétuel. Je m'explique faut savoir que dans la voûte céleste, il y a 88 constellations. 88. Toutes elles ont à peu près une dizaine ou une vingtaine d'étoiles. Donc ça fait plus d'un millier d'étoiles, ça fait quelques milliers d'étoiles, euh, parmi lesquelles on peut retrouver bah, trois étoiles disposées comme les trois pyramides. C'est-à-dire qu'on a un éventail de choix qui est très très large. Plus de 1000 étoiles. Et la preuve c'est que... En fait, il n'y a pas que la constellation d'Orion qui pourrait correspondre. Il y a également celle du signe. C'est deux théories concurrentes. Mais le plus drôle, c'est que la personne qui a avancé cette théorie sur Orion, elle-même nous dit qu'en fait, euh, c'est presque ça. Mais il y a quand même une erreur. <laughs> C'est-à-dire que l'alignement n'est pas bon, en fait. Il manque, manque quelque chose. Il manque un chouïa. Mais oui, mais. Le problème, c'est que les bâtisseurs, il faut que ce soit précis. Alors il nous a dit, mais non, en fait, avec un calc calculateur astronomique très puissant, j'ai retrouvé qu'il y a à peu près euh, 12 000 ans ou 10 000 ans, je sais plus, la constellation d'Orion était exactement euh, dans le même alignement, dans le même positionnement que les pyramides, le baudrier d'Orion. Ok, mais dans ces cas-là, avec ton logiciel puissant... Qui peut calculer sur des dizaines de milliers d'années, moi je peux t'assurer qu'on va dans ce cas-là pouvoir retrouver d'autres constellations encore qui vont être exactement comme les trois pyramides sur un éventail de 10 000 ans, puisque toutes les étoiles bougent en permanence. Donc voilà, moi j'ai euh, du mal avec ces théories sur les étoiles parce que les pyramides c'est quelque chose de fixe, les bâtisseurs veulent transmettre sur le long terme. Or sur 10 000 ans, une constellation n'a plus le même visage. Enfin, elle n'a plus le même visage. Elle y ressemble encore un petit peu, mais elle a quand même bien changé. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel, ça fait tellement de points de partout que vous pouvez relier un peu ce que vous voulez et faire correspondre ce que vous voulez à n'importe quoi. C'est ce que j'ai reproché à Graham, à Graham Hancock dans, dans le, les gravures de GoBekli TP. Et d'une manière générale... Je crois vraiment que voilà, on nous bassine avec ces étoiles également parce que c'est lié. Enfin, ça permet de faire un lien avec les extraterrestres. Ça, c'est la grande théorie en vogue pour sauver les fesses euh, des institutions archéologiques et historiques, euh, parce qu'évidemment, on voit qu'il y a un gros problème, donc ça permettrait à ces institutions de sauver leurs fesses en disant ah bah ben non, vous voyez, on a été honnête, c'est juste que les extraterrestres ils ont ils ont fait des choses, on n'était pas au courant. Bon, il y avait ces, ces expressions, la fille aînée de l'église. Euh, et, et, et effectivement, maintenant, je suis convaincu que la France a quelque chose à nous dire. Le point de départ, donc, c'était ce, cette médium là qui m'avait donné cette étoile. Elle m'avait parlé d'un cercle autour de la France aussi qu'elle n'avait qu pas dessiné. Mais elle m'a dit, mais voilà, il y, a, il y a un cercle autour de la France. Donc, je suis resté là-dessus. Et puis cercle autour de la France, je me suis dit, bon, bah, les, les choses doivent être parfaites comme j'avais vu sur l'Egypte. Et donc, je suis parti d'un cercle de 1000 km de diamètre. Et comme diamètre central, bah, le plus évident, c'était de prendre le méridien de Paris. Et en plus, euh, en dessinant ce cercle, je voyais que la, le haut du cercle pouvait euh, correspondre à la, la hauteur de Stonehenge. Donc, ça me donnait un point, un point de référence en hauteur. Donc là, j'ai arrêté parce qu'il y a déjà euh, des erreurs, voire des mensonges, ça, je ne sais pas. Mais euh, son fameux point haut là. Donc vous voyez, je vais vous montrer un petit peu comment on utilise Google Earth les amis, parce que là on va avoir une telle vague de désinformation, on va crouler sous les eaux. Euh, il va falloir que vous appreniez à vérifier par vous-même, en utilisant cet outil fabuleux qui est Google Earth, un outil professionnel mais gratuit. Ça c'est extrêmement rare, donc il faut en profiter. C'est un logiciel que je vous conseille d'installer carrément sur votre PC. Donc, j'ai pris le centre, on va y revenir tout à l'heure, de son cercle. Puis, euh, j'ai remonté donc euh, sur le méridien de Paris, comme il m'a dit. Sauf que le centre qu'il prend, euh, on va voir après qui s'appelle l'équerre, bah, déjà, il n'est pas sur le méridien de Paris. Il y a déjà une imprécision. Euh, le méridien de Paris, il est juste à droite de la pyramide du Louvre. Il n'est pas là euh, comme lui il fait passer son trait. Il y a déjà une imprécision. Les bâtisseurs sont plus précis que ça. Mais bon, euh, tiens, je dois d'ailleurs également parler. Le deuxième trait à droite, qu'est-ce que c'est bah, C'est celui du mont Bugarache. Parce qu'il laisse entendre que tout ça c'est sur l'axe du mont Bugarache. Bah, pas du tout. Hein. Le, le mont Bugarache, il est clairement à l'est mais voilà déjà euh, ce qu'il a l'air de tout entendre à chaque fois que ça inclut bugarrache pas du tout euh, le méridien de bugarrache si on peut l'appeler comme ça il est bien relié à une église à dunkerque mais il n'est pas du tout sur le méridien de paris il n'est pas du tout sur, son, sur le centre de son fameux cercle euh, ça euh, faut faire attention parce qu'il est assez ambigu on a l'impression que si mais donc, le, le, le mensonge véritable ou l'erreur, c'est il nous dit voilà, Stonehenge se trouve à la, à la même hauteur, donc à la même latitude, que le point haut de mon cercle. Eh bien, le point haut de son cercle, il est là. Je l'ai tracé. On a une latitude, donc dans Google Earth, c'est en bas à droite de l'écran, en tout petit, 51 12 27. 51 12 30 Allez on va prendre 51 12 30 maintenant on va aller à Stonehenge j'arrive donc à Stonehenge Voilà Stonehenge vous avez une barre de recherche en haut à gauche pour vous pour vous faciliter la recherche en fait vous tapez tout en haut à gauche Google Earth vous y amène directement ici on est à 51 10 donc vous voyez que ce n'est pas ce n'est pas du tout euh, la même latitude, c'est pas loin encore une fois. Euh, de très loin sur une carte, ça, on, ça peut donner l'illusion. Mais non, euh, le sommet du cercle n'est pas à la même latitude que Stonehenge. C'est faux. Si on commence à, à se donner la liberté d'avoir une précision aussi faible, on peut dire tout et n'importe quoi. Malheureusement, c'est exactement ce que font la plupart de ces gens. Sachant que Stonehenge est situé à 3600 km de Gizeh. En kilomètres, on a un nombre qui, qui vient nous parler. Donc je me disais, voilà, 3600 par rapport à Gizeh, ça faisait un petit peu le lien avec l'Égypte. Ce cercle, il vient se calmer parfait. Jusqu'à ce que je découvre km, que le point central venait se localiser sur un petit hameau qui s'appelait l'équerre, au-dessous de Bourges et pas à la hauteur de Saint-Amand-Montrond. Je ne l'ai pas vu tout de suite en plus. C'est parce que, euh, comme c'est deux maisons ou trois maisons, euh, il fallait vraiment zoomer avec, euh, avec Google. Alors Moi, j'avais vu que mon centre il tombait dans la campagne. Donc, à l'époque, euh, au tout début, je n'avais pas cherché plus que ça. Et c'est que quelques mois après que je, je vois ce truc, l'équerre, à 2 km du, du point central. Je me dis, mais ça, c'est quand même incroyable. Ça me ramène encore à l'Égypte. Donc, on part de l'équerre au centre de la France. On est sur le méridien de Paris. On dessine un cercle de 1000 km. Et là, on englobe la France, vraiment, on arrive sur la pointe alsacienne. Alors là, c'est très drôle parce que son l'équerre, c'est vraiment drôle. Je vais vous montrer en fait euh, combien il y a de lieux-dits en France. Donc il est tout content, il a trouvé un lieu-dit qui s'appelle l'équerre et qui correspond au milieu de son cercle. Euh, des lieux-dits, combien il y en a en France Il y a des millions, voilà, c'est écrit ici. Il y a plus de 6 millions de lieux-dits en France. Vous imaginez donc c'est un peu comme avec les milliers d'étoiles, là on est même dans les millions, vous allez toujours trouver un endroit pour le rattacher à un point, ça c'est évident. Euh, bon après il s'appelle l'Équerre, mais des, lécaires, des lieux dits l'Équerre, il y en a des centaines et des milliers. Plus extrême, on vient border la côte méditerranéenne, ça prend les Pyrénées, il y a juste un petit bout de la, petit bout de la Bretagne qui ne rentre pas dans, dans le cercle. Là, pour ça, il faudrait dessiner un deuxième de mon cercle de J'ai eu plusieurs autres confirmations qui sont, enfin, qui sont venues de Hexagone. Ce cercle de 3600 km, il a en plus une particularité, c'est que le point de latitude nord, sur le méridien de Paris, si on regarde le point haut, eh bien, on se trouve à la latitude 51 degrés, 51 minutes, qui correspond à l'angle de la Grande Pyramide. Et en... Là, c'est encore un mensonge, les amis. Encore une grosse erreur. La première chose à savoir, il nous a tracé un second cercle, toujours avec le même centre, mais un second cercle plus grand. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Je vous montre que je pars bien de l'équerre dans le centre de la France. Voilà, à côté de Saint-Amand-Montron. Je vous montre que je suis positionné exactement comme lui, dans ce lieu dit euh, qui existe parmi 6 millions. Et donc on va aller voir. Donc on remonte plein nord, pas loin du méridien de Paris, 0,0 degré nord. Le nombre de kilomètres que j'ai calculé évidemment par rapport à pi. On arrive ici. Je vais vous montrer la valeur en kilomètres. Enfin, je vais vous la rappeler parce que vous faites 3600 divisé par pi. Vous obtenez 1145,91 km, que vous divisez par 2 pour avoir le rayon, vous, vous obtenez 572,95 km. Nombre de kilomètres exact à 1 ou 2 mètres près. Et on a combien de latitude 51, 51, 43. Attention, c'est trompeur. Parce que 51, 51, ça n'est qu'un arrondi à la minute. Mais là, on est à 51, 51, 43 Allons voir la vraie valeur qui n'est pas arrondie. Cette valeur, c'est 51, 50, 34. Voilà, la pente de la pyramide, c'est 51, 50 minutes, 34 secondes. Là, notre ami, son cercle de 3600 km de périmètre, il est à 51, 51 minutes, 55 secondes. Donc, il y a plus d'une minute d'écart, d'après ce que je peux observer. Ou 51, 51, 43, voilà, si je mets la main au centre. Euh, mais il y a toujours plus d'une minute d'écart, donc c'est-à-dire plus d'1,5 degré d'écart. C'est-à-dire que on est très loin des 51 degrés 84, on est à plus de 53 degrés là avec euh, cette valeur. Voilà, donc les amis, 51-51, c'est un arrondi. Il faut être très précis parce que là en fait, voilà, on a un écart de plus d'un degré. C'est énorme c'est nul, c'est à chier, franchement, c'est même une honte, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, ni le point haut de son cercle de diamètre 1000 km ne correspond à la latitude de Stonehenge, non, mais alors, euh, son cercle avec la circonférence de 3600 km, lui, il est encore plus à la ramasse, je vous rappelle la vraie valeur de Guizet, c'est 51, 50, 34. Et là, on a 51, 51, 40 quelque chose. C'est une erreur très très grande. C'est pas sérieux du tout. En, en confirmation de, de, de mon cercle 2000, j'ai eu plusieurs autres confirmations qui sont, euh, qui sont venues se greffer après, après coup, du point haut du cercle 2000 jusqu'à Guizet, avec un principe de ligne courbe. Qui se dessine avec Google Earth euh, automatiquement. Je passe sur le Saint-Mont et j'arrive sur Gizé. De l'autre côté, on passe sur Pimpon, qui est le cœur de Brossélian, et on arrive sur l'île de Pâques, dans un petit point perdu dans le Pacifique. Et de l'île de Pâques. Dans... Alors, <laughs> attendez, je, voilà. Là, vous avez vu, comme par magie, il y a Bugarache qui est revenu. Voilà, ça, je voulais vous le montrer, c'est très important. Euh, je rappelle que Bugarache n'a rien à voir avec le méridien de Paris. Il est à... Vous voulez qu'on mesure la distance À combien il est 2 ,3 km 3. Sachant que déjà celui de l'équerre n'est pas exactement sur le méridien de Paris. Donc là... Euh... De faire réapparaître bugarrache comme ça... ça donne l'impression qu'il est dedans. Mais non, Bugarache n'est pas dedans. Ensuite, ce qui est très drôle... C'est cette commune de Saint-Mont là qu'il a trouvé. Là, toujours le même principe. Il y a tellement de points, euh, c'est facile de trouver un point qui correspond. En France, il y a 36 000 communes. 36 000 communes, 6 millions de lieux dits. On l'a dit. Donc sur ces 36 000 communes, vous avez trans, 36 000 églises au minimum. En fait, il y a plus d'églises que de communes. Donc je crois qu'il y a, a, a peut-être... Euh, 80 ou 90 000 églises en France. Donc là, il a trouvé une église euh, toute petite, toute rikiki, qui n'est vraiment pas... Euh... <laughs> c'est vraiment, voilà, c'est la naine des églises. Elle est assez ridicule, en fait. Et il va donc trouver cet endroit, ce point-là, avec une précision, à mon avis, encore euh, plus que moyenne, pour faire un lien avec Guizet. Avec un point haut, vous avez vu déjà, qui correspond pas du tout à ce qu'il a dit avant. Donc c'est vraiment... Euh, là, c'est n'importe quoi. Et ensuite, il va relier ça à l'île de Pâques. Mais alors là, c'est très drôle parce qu'il passe par Pimpon. Il nous montre un arbre, c'est la forêt de Pimpon. Vous voulez voir la taille de la forêt de Pimpon euh, La forêt de Pimpon, elle est là. Non, elle n'est pas là. Ça, c'est la rechauffée. Elle est là. Voilà. Pimpon. Vous avez vu cette grande forêt donc là, vous avez de quoi placer un point à peu près où vous voulez. Mais donc, on va vérifier. Il dit que ça, ça va à l'île de Pâques. Donc, on va, on va le faire ensemble. On va retourner sur son point haut. Et on va aller à l'île de Pâques. Voilà. Je suis au centre de l'île de Pâques. Maintenant, je vais revenir d'où on est parti et voilà 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 euh, ça ne passe pas du tout mais pas du tout euh, par la forêt de pinpont on est euh, on est super loin quoi et j'arrive sur guise de l'autre côté on passe sur Pimpon, qui est le cœur de Brocélien, et on arrive sur l'île de Pâques, dans un petit point perdu dans le Pacifique. Et de, du, donc, du point haut, île de Pâques, guisée et au point haut, donc ce, ce grand triangle, 33 333 km. Et là, je me suis dit, oh ben bah, ok, Banco, mon cercle, il est calé au niveau hauteur, il est, il est bien calé parce que je pouvais jouer un petit peu. Mais là, il, il s'est bien calé. Ça, c'était un premier point de confirmation. Et le deuxième, c'est que suite aux recherches d'Éric Le Saint, qui a beaucoup travaillé sur le dolmen de la Rechauffée, donc du côté de Rennes, là-bas, si on dessine une pyramide centrée sur le méridien de Paris, donc avec un point symétrique, et donc la, la pointe arrive exactement sur mon, mon haut de cercle de 1000 km. Donc ça Bon, bah, on va vérifier alors. Hein, euh, Est-ce que le dolmen de la Rechauffée nous indique un angle Égale à la pente de la grande pyramide de Gizeh, grâce à, au sommet de son fameux cercle qui vient de, d'un des 6 millions de lieux dits, l'équerre. Donc, direction la rechauffer. Donc, j'ai déjà tracé euh, cet axe, hein. mais on va le refaire ensemble, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment on fait avec Google Earth pour mesurer un angle. Donc, euh, en plein dessus. Et je vais aller sur ce fameux cercle très très mystique, hein, vraiment très mystique, très mystérieux, qui lui avait été indiqué d'ailleurs par euh, une voyante. Hein. Il dit que c'est une voyante qui lui a donné un songe. Euh, bon, ça fait un peu étrange pour un mec qui se dit scientifique, qui, présent, qui prétend présenter des faits rationnels. Le sommet du fameux cercle. Voilà. Donc on a un angle de 35 de, degrés 20 par rapport au nord. 35,2 degrés. Donc là il faut faire une petite opération pour obtenir l'angle de la pente de la pyramide. Il faut retirer 90 degrés. Si on fait 35.22 moins 90, on obtient 54 degrés 78. 54 degrés 78, c'est pas du tout l'angle de la grande pyramide. L'angle de la grande pyramide en minutes, vous l'avez dit, c'est un peu spécial, ça fait 51 51 minutes. En degrés, 51 84, puisque Google Earth il nous parle comme ça. Donc 51 84, c'est pas du tout. Enfin, euh, 51 84, c'est la vraie valeur, et là on est donc à 54, 78. Euh... Ah problème. Est-ce que vous voyez la règle Ah merde, la règle s'affiche pas pour vous. Ah. Ok, donc je peux pas vous montrer, malheureusement, euh, là avec OBS, j'arrive pas à vous montrer la règle. Maintenant, je vais déplacer mon angle jusqu'à le mettre jusqu'à 38 16 38 16 par rapport au nord ça fait mais 53 euh, mais 51 84 pardon euh, de la grande pyramide et en fait voilà pour euh, avoir la grande pyramide qui se dessine à partir de la roche rechauffée euh, on est en belgique voilà on est en belgique à côté de on est à nieuport voilà on n'est pas du tout en france mon cher Mathieu Lavaux et puis là le dolmen de la rechauffée qui ne fait pas du tout un angle, non non non, pas du tout l'angle de la pyramide. Il y a je sais pas combien de, de différences. Euh, C'est pas du tout ça. Bon et voilà Mathieu il euh, va falloir retourner à, à vos études. Voilà j'ai fait cette vidéo, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire parce que je fais des recherches, je prépare. Mon prochain documentaire qui fait partie donc de la trilogie de documentaires que j'ai appelé le code des pyramides et que vous pouvez retrouver euh, très simplement euh, sur google je vais vous montrer voilà la page du code des pyramides c'est euh, la page de mon financement participatif vous voyez qu'on est presque arrivé à l'objectif. Donc, euh, si vous pouvez me soutenir, bah, je vous en remercie beaucoup. Mais surtout, euh, n'oubliez pas que je fais ça pour l'intérêt général. C'est vraiment, vraiment pour l'intérêt général. Parce qu'actuellement, on est vraiment face à une vague de désinformation. Avec des gens qui défendent l'idéologie du système. L'idéologie à racines euh, bibliques, monothéiste qui a évolué vers un progressisme, vers un linéarisme, mais ces bases euh, qui font table rase du passé, eh bien, elles sont déjà présentes dans la Bible. Vous remarquerez que Mathieu Laveau n'a pas dit une seule fois euh, le mot « ancêtre ». On ne fait jamais référence aux ancêtres, on ne veut jamais expliquer ça par le passé, par, par nos ancêtres. C'est toujours... Il, il, il a parlé d'une voyante à un moment donné. C'est toujours le mysticisme qui vient combler euh, les lacunes de notre histoire officielle. C'est Dieu, c'est les extraterrestres, éventuellement. On n'essaye jamais de rationaliser le pourquoi de ces erreurs grossières de l'histoire officielle. On n'essaye jamais, tout simplement parce que ce serait montrer que euh, nous sommes, euh, voilà, euh, gouvernés par une bande d'escrocs euh, qui euh, qui ont falsifié l'histoire depuis déjà très longtemps, c'est-à-dire que l'escroquerie, c'est pas, pas depuis Macron, c'est pas depuis Sarkozy, hein. c'est une escroquerie en bande organisée depuis très très longtemps, et ça a commencé par nous laver le cerveau, vous comprenez Donc ils veulent surtout pas qu'on se rende compte de ça, donc euh, ils sont toujours voilà, dans l'idée euh, « le passé c'est nul », ça c'est la, la Bible hein, qui a fait table rase du passé, euh, et voilà, le progressisme, qui, qui soit religieux ou pas, c'est la même idée, faire table rase du passé qu'on n'ait pas d'avenir en fait donc moi je dis à ces gens voilà respectez nos ancêtres ces monuments magnifiques ce code magnifique ce code des pyramides il a été réalisé par nos ancêtres afin justement que nous puissions enfin retrouver notre histoire que nous puissions enfin nous réorienter et retrouver le nord donc arrêtez un petit peu de salir nos ancêtres parce que quand vous salissez nos ancêtres vous nous salissez et surtout vous salissez nos enfants et là c'est beaucoup plus grave vous salissez notre avenir donc quand on se fait attraper la main dans le sac, la moindre des choses c'est de faire des excuses. Et puis, et puis en général ça va. Mais là, euh, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites. Toute cette désinformation, c'est très très mal. Et bon. Écoutez, euh... <laughs> je suis au Leg de Normandie, donc je prépare le code des pyramides. Vous allez voir que ce que je vais vous montrer, moi, ce sera très très précis. Ce ne sera pas euh, voilà, cette espèce de, de chose euh, très très malsaine que nous a livré Mathieu Lavaux, une chose qui mélange des faits réels, comme par exemple les 3600 km entre Guizet et Stonehenge, et des faits complètement falsifiés. Tout ça pour renvoyer encore une fois, toujours à ces, ces idéologies euh, New Age extraterrestres ou à, à l'idée biblique tout le temps. Hein, on voit cette fameuse étoile euh, de David, comme de par hasard. Euh, Bref, c'est vraiment décevant. Je suis déçu, mais au moins voilà, euh, cher public, euh, je suis euh, fidèle au poste. Euh, de temps en temps, je, je débunk les, les choses les plus intéressantes. Sachez euh, cependant que voilà, il est possible que suite à cette vidéo, je subisse des attaques. C'est même à mon avis évident puisqu'ils sont très puissants. Ils sont à peu près 1000 euh, face à moi, euh, et surtout ils ont des milliards d'euros. Donc, euh, je ne répondrai pas, euh, je ne répondrai pas parce que euh, bah, le but pour eux c'est de m'empêcher de travailler, vous comprenez? Donc, euh, je, ce sera peut-être la dernière de Debunk avant le, le documentaire, je ne sais pas, parce que voilà, je ne veux pas perdre trop de temps, je veux vraiment faire avancer euh, le prochain film. Merci, merci à tous ceux qui m'ont déjà soutenu et ceux qui pourront me soutenir financièrement mais également psychologiquement sur les réseaux. Contrer cette propagande haineuse et calomnieuse contre moi. Euh, je vous remercie, je remercie tous ces gens bénévoles qui ne me connaissent pas et qui me défendent. Euh, voilà. Euh, si j'ai fait une erreur, il n'y a pas de problème. Je reviendrai dessus, je referai une vidéo, il n'y a pas de souci si vraiment je me suis trompé. Voilà. Je fais ça vraiment euh, avec les meilleures intentions du monde. Mais quand je vois des choses comme ça, je trouve ça vraiment navrant, navrant, navrant. Allez, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice qui doit en émaner.